Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanse Ban. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo, vous abonnez, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Nous avons trois autres chaînes. En cliquant sur ce bon, vous aurez aussi accès à notre page d'accueil ou vers notre autre chaîne. Abonnez-vous sur Nyanse Ban de Nyanse Ban 3 et à chaque fois, activez la cloche. Ah! Ce que nous allons voir ici, c'est surnaturel. Si vous avez peur des démons, des esprits et ces jeunes choses. S'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Est-ce que vous êtes même chaud? Est-ce que vous êtes même prêt à voir ce que nous allons vous montrer? Mes frères et sœurs, c'est étonnant. C'est même hallucinant. Ah! On dit chez nous, tous les jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Un homme, un jeune homme, il va entrer dans des pratiques mystiques. Et lui, son travail, ça sera de juste envoûter les femmes, envoûter les filles. Pour coucher avec elle, et quand il couche avec toi comme ça là, automatiquement il t'initie à l'occultisme et tu apparais dans le monde des sorciers là-bas pour renchérir, pour remplir le nombre de l'homme, pour augmenter le nombre de leurs membres. Hein? Mes frères et sœurs, ça m'étonne. Mes frères et sœurs, ça m'étonne. Ça t'étonne, non? Tu vas voir ça tout de suite. C'est l'histoire. Et il y a des signes aujourd'hui qui ne manquent pas. Ce sont des signes qui nous montrent clairement l'appartenance des gens même à des groupes d'occultistes. Et parmi ces signes, il y a des bagues magiques. Tu vas voir des gens avec des bagues têtes de mort. Quand tu vois ça, toi tu te dis que c'est la nouvelle mode. Nous, c'est ce qu'on croyait avant. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, c'est tout sauf ça. Que personne ne vous trompe. Allez à la source pour chercher la vérité. Suivez-nous à nos studios. Comme on vous l'a dit, si vous avez peur des démons et ces jeunes choses, regardez la vidéo suivante. Nous vous disons en même temps, nous venons de nous réveiller. Les vidéos qui vont venir après ça, ha, ce ne sera pas du jeu. Restez connectés. Comme on vous l'a dit, abonnez-vous. Surtout, partagez cette vidéo, les gens sont pas au courant. Il faut que les gens soient au courant. Allons-y, allons-y voir, allons-y voir. Est-ce que vous êtes même chaud à voir ça? Est-ce que vous êtes même prêt? Regardez même ça. Mon Dieu. Ah, comment un homme peut-il avoir autant de bagues comme ça? Si ça met quelqu'un, qu'est-ce qu'il ne va pas avec lui? Mais regardez vous-même. Mon Dieu. Dans quoi les gens sont-ils entrés pour avoir autant de bagues sur leurs mains? Et les gens se disent, oh, laissez-nous faire les choses qu'on veut. Mes frères et sœurs, ça, les bagues que tu vois ici ne sont pas là pour rien. Et ces bagues ont des pouvoirs, ont des effets, ont des énergies négatives. Et ça a même un pouvoir d'attraction. Si quelqu'un a une bague bien spécifique, qui lui permet par exemple d'amener les gens à obéir à sa volonté. Si cette personne arrive par exemple chez vous et que cette personne arrive avec sa bague, tout ce qu'elle va vous demander, vous allez lui donner. Si elle vous demande tout votre argent, vous allez lui remettre. Si elle vous demande 1 milliard, même si vous n'avez pas 1 milliard, vous allez aller vous emprunter à la banque parce que vous êtes envoûté. C'est ça le danger de la chose, c'est pourquoi nous vous montrons ces choses. Peut-être que toi, c'était déjà arrivé. Je ne sais même pas comment tu as fait pour dilapider ton argent. Voici un secret qui est en train de venir, tu dois savoir. Même la fille qui est ici, elle est étonnée. Elle a même dépassé. Or, elle-même, elle a des bagues sur son doigt. Il y a même parmi ces bagues, une bague tête de mort. Vous voyez des bagues avec des petites boules comme ça. Ça peut être rouge, ça peut être vert, ça peut être noir. Mes frères et sœurs, tout ça, ça vient du monde des ténèbres. Et toutes ces choses sont des dangers pour les gens. Faites attention à ne pas tomber dans de tels pièges. Maintenant, vous allez voir des choses terribles encore. C'est pas tout, hein? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ici, nous sommes en famille, vous savez. Ici, même, on se dit les vraies choses même. Est-ce que vous avez partagé la vidéo là même? Il faudrait que d'autres personnes comprennent ça. Après ta soeur, après ta soeur, après ta soeur, après ton cousin, après ton frère. Ah! Aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode et les gens ne savent pas ce que ça signifie. Mais ils se disent que comme les stars a porté ça, donc eux, ils vont mettre ça. Si tu ne sais pas dans quoi même ta star est là, ne te mets pas à faire la même chose. Sinon, tu seras même dans les problèmes. Aujourd'hui, le diable a décidé d'utiliser les hommes célèbres, les personnes célèbres, pour pouvoir même purger la jeunesse dans les problèmes comme ça. Regardez même ça. Ah, c'est la même chose. De grosses bagues comme ça. Et on se dit... C'est pour se protéger. C'est pour la chance. On se dit, c'est pour la chance. C'est contre les accidents. Ah! Dieu qui t'a créé et qui t'aime. Penses-tu qu'il ne peut pas te protéger contre les mauvaises choses de ce monde?
fais attention, fais le bon choix, regardez. Et c'est ce que les gens sont en train de faire. Regardez ça. Si vous pouvez dire que c'est de la blague. Regardez encore. Des trucs qu'ils enroulent autour de leurs mains. Regardez ça encore. Et ça devient répandu. Les gens sont en train de vous amener dans l'occultisme. Même vous envoûter. Même vous amener à prendre des décisions que vous n'avez pas envie de prendre parce que ces gens ont tas de sucre sur leurs mains. C'est pour envoûter les gens. Afin qu'ils aient du succès. Afin qu'ils aient de l'argent. Quel que soit l'endroit où ils sont. Et toi, tu vas te dire, toi aussi, il faut arrêter de nous faire peur avec ça. Ce que tu te dis là, c'est vrai, mais tu nous fais trop peur. Bon, ok, il n'y a pas de souci, on te fait peur. Hein. Mais tu vas voir ce que tu vas voir maintenant. Regarde ça, qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit ici? Lis toi-même. Qu'est-ce qu'on dit? Scandale. Voici le jeune homme qui utilise une bague magique pour coucher avec les filles. Ses raisons font peur. Ses raisons font peur. Il aurait fait assez de victimes. Lui-même ne sait plus combien de filles ou de femmes mariées avec qui il a couché dans ses conquêtes d'adeptes pour la secte. C'est-à-dire que dès qu'il couche avec une femme, elle rentre dans une secte en même temps, elle est initiée, elle devient une sorcière. Et il est jeune, hein? Il ressemble à il est jeune. Ce sont les jeunes hommes que le diable est en train d'utiliser aujourd'hui. Et c'est ce que lui fait. Comme vous le voyez, on l'a attrapé. Et il va maintenant se confesser. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que... Voilà, on dit qu'il a 19 ans. Il a juste 19 ans. Comme vous le voyez, il a juste 19 ans. On dit qu'il a été arrêté par la police. Voilà, parce qu'il a utilisé des techniques d'envoûtement pour séduire et coucher avec des femmes tout en les initiant à un culte satanique. Et c'est ce qui se passe même dans l'industrie de la musique. C'est la même stratégie même avec l'industrie de la musique. On voit les stars de la musique avec des bagues. C'est la même chose qui se passe. Regardez même ça. On nous dit, il reconnaît avoir couché avec plusieurs femmes sans leur consentement et a également expliqué à la police l'origine de cette puissance mystique qu'il a possédée. Il dit maintenant, j'ai été initié par une femme du nom de, bon, on va pas dire son nom, elle est notre responsable. Il dit que cette femme m'a blessé sur ma poitrine avec son ongle et s'est mise à lécher le sang qui coulait de cette marque. Là, c'est le processus d'initiation qui a commencé. Après cela, elle m'a obligé à coucher avec elle. Chaque semaine, je me rendais chez elle pour lui faire l'amour. Et en contrepartie, je percevais une somme de 5000 naira. Au fil du temps, elle a commencé à me payer 15 000 naira par mois. M'a donné deux anneaux dont je me servais pour attirer les filles confitiles. Ces anneaux me permettaient d'hypnotiser. Écoutez bien, ces anneaux me permettaient de faire quoi? D'hypnotiser les femmes que je draguais et dès que je couchais avec elles, elle devenait automatiquement membre de notre secte et était initiée aux différentes pratiques du groupe, a-t-il ajouté. Cependant, souligne-t-il, elle m'interdisait d'avoir des relations sexuelles avec des prostituées dans des endroits fermés. Comme vous pouvez le voir, c'est ce jeune homme qui était en train de se confesser et vous pouvez même lire la suite. Ah! Il envoûte les femmes afin que lui il ait du succès dans ce qu'il est en train de faire. Il les initie et les envoie dans son paradis en enfer. Et c'est ce qui se passe dans l'industrie de la musique. Dès que vous voyez de telles bagues sur les gens, faites déjà attention. C'est la même stratégie. Partagez cette vidéo pour informer les gens.